J'espère que vous allez bien. Alors, il y a eu un souci de connexion. Alors, j'espère qu'on va récupérer les copains qui étaient en ligne. Alors, moi, de mon côté, je vais vérifier si je suis bien en direct. N'hésitez pas à me dire bonjour. Oui, voilà, je vois que je suis en direct. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a déjà des copains qui sont là avec nous? N'hésitez pas à me dire bonjour. Ah voilà, bonjour de Louis. Super. Bonjour de Lisa. Alors, j'ai dû diminuer la qualité de la vidéo pour éviter les bugs. Donc, voilà, si ça ne va pas, j'ai une autre solution. Alors, bonjour Elio. Bonjour Natis. Bonjour de Louis, bonjour de Émilie, bonjour de Nathanaël et de Baptiste de Lille, de June. Bonjour de Joanne. Alors, je vois que les copains commencent à arriver. Bonjour de Inaya. Voilà, génial. Bonjour de Margot, une petite nouvelle. Bonjour de Ania. Alors, en attendant, je vais préparer ma chanson. Louis est là. Bonjour de Mohamed, de Djibril et de Hamza. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour, très bien, merci. Emma vient d'arriver. Je suis content d'être ici avec tous mes petits amis. Bonjour, bonjour, comment ça va? Merci, merci, merci d'être ici. Merci, merci. Écoutez, aimez-vous cette chanson? On a Marius, Loen, Laïa qui vient d'arriver. Merci, merci. Merci d'être ici. Bon, si le son et l'image ça va, j'espère que ça va continuer. Petit moulin. Petit moulin. Allez, on avance avec les épaules. Et on recule. On avance. Et on recule. Bonjour. Bonjour Alice. Comment ça va? Bonjour, bonjour, très bien, merci. Je suis content d'être ici avec tous mes petits amis. Bonjour, bonjour, comment ça va? Alors, la chanson de Mon corps est à moi. Hop, bonjour souris chérie. Mon corps est à moi, mon corps est à moi. Il est tout sympa, c'est mon corps à moi. À vous. Mon corps est à moi, mon corps est à moi. Il est tout sympa, c'est mon corps à moi. Tout en bien, mes cheveux. Bonjour Zoé, bonjour Pablo, bonjour Camille, bonjour Clémence. De chaque côté, il y a mes oreilles à moi, de mon corps à moi. Khalil et Hilal sont là. Il est tout sympa, c'est mon corps à moi. À vous. Mon corps est à moi, mon corps est à moi. Il est tout sympa, c'est mon corps à moi. Il y a un petit nez, c'est le nez à moi, de mon corps à moi. Ce nez, il y a une bouche qui rigole, enfin un beau sourire. La bouche à moi, de mon corps à moi. Mon corps est à moi, mon corps est à moi. Diego est là, Vassili est là. Mon corps est à moi, mon corps est à moi. Il est tout sympa, c'est mon corps à moi.
moi. Thomas est là, Alissa est là. Un cœur d'eau qui bat, c'est le cœur à moi, de mon corps à moi. Michel est là. De chaque côté, il y a deux bras, c'est le bras à moi, de mon corps à moi. Odile est là, Adenor est là. Il est tout sympa, c'est mon corps à moi. Kémiline et Gaël sont là. Désolée la prononciation, les loulous. Il y a un peu tout rond, c'est le ventre à moi, de mon corps à moi. En dessous, il y a un truc que je dis pas, c'est le but à moi, de mon corps à moi. Lise et Anéa sont là. Mon corps est à moi, il est tout sympa, c'est mon corps à moi. À vous. Mon corps est à moi, il est tout sympa, c'est mon corps à moi. Il y a deux jambes qui marchent, mes jambes à moi, de mon corps à moi. Tout en bas, il y a deux pieds qui remuent, c'est les pieds à moi, de mon corps à moi. Valentine est là, Marley est là, Kiara est là, Soumaya est là. Mon corps est à moi. Bonjour de madame Céline. Il est important, c'est mon corps à moi. Oui donc, il y en a des copains aujourd'hui, c'est super. Alors, la petite dernière. On prépare son doigt. On est debout. Attention, attention. Ah. Bonjour Théo, bonjour Léa. En arrière. Et on commence, on saute en avant. Et en arrière. Et on lève les bras. Et on saute plus haut. Bonjour Jonathan. Thibaut est là. Plus haut encore. Allez, les bras. Cameron est là. Ah, respire. Voilà. Alors, pour répondre au nom de... Je ne sais plus de qui. Le papier crépon, ça, il faut coller le papier crépon sur une feuille pour que ce soit plus solide. Voilà. Alors, on a réveillé notre corps. Maintenant, il nous reste plein de choses à faire. Alors, maintenant, nous allons voir quel jour sommes-nous aujourd'hui. Judia. Judia, Judia, désolée. Hein. Alors, hier, nous étions lundi. Aujourd'hui, dans notre chanson, on doit faire attention. Où vont les canards lundi? Je vais déposer Souris Chérie. Voilà. Je prends mon fichier. On n'oublie pas. Hein. Gaëtan est là. Lucas est là. Bon, les canards le lundi. Ah, Alisa, Alisa, la bonne. Ah, Louis aussi a la bonne réponse. Moi, quand même, fin de chance. Lundi, les canards ont à la mare, mare, mare. Mardi, vont jusqu'à mer. Mercredi, ils organisent un grand jeu, jeu, jeu. Jeudi, ils se marchent dans le vent, vent. Vendredi, ils se dandinent comme ça, ça, ça. Samedi, ils se lavent à ce qu'on dit. Dimanche, ils se reposent. Et voilà, vie en semaine, comme demain. Coin, coin. Alors, je vois beaucoup de réponses. Chez Louis, chez Marley. À la mare. Oui, ils vont à la mare. Donc, on est mardi. Bien. Chez madame Catherine, chez Cameron. Nous sommes aussi mardi. Chez Nathalie, nous sommes bien mardi. Chez Louis, on est bien mardi. Et chez Lisa, nous sommes bien mardi. Oui, on est bien mardi aussi. Bravo. Donc, nous sommes le mardi aujourd'hui. Nous allons donc ouvrir la fenêtre du mardi. Voilà. Le mardi est le quantième jour de la semaine. Nous allons compter. On y va. Et 1, 2.
mardi et le deuxième jour de mai. Bien, Elio. Alors, on peut faire deux. On peut faire deux comment? Comme ça. Ou on peut faire deux comme ça. Clémentine, bien, Louis. Deux comme ça. Lucas aussi dit mardi. Bien. Donc, nous sommes bien le deuxième jour. Alors, et nous sommes le 28. On l'écrit avec un 2 et un 8. Un 2 et un 8. D'accord ? Donc, je mets ma petite étiquette. Voilà. Et je vois que nous avons des anniversaires aujourd'hui. On a Lana qui fête ses 4 ans. On a Abel qui fête aussi ses 4 ans. Et on a Vincenzo qui fête ses 6 ans. Alors, bon anniversaire les loulous et je vous fais de gros bisous. Voilà. Alors, nous sommes le mardi 28 avril 2020. Oh, quel chapeau on doit mettre à Souris Chérie. Nous allons voir un tout petit peu ce qui se passe dans son livre. Alors, je dois aller mardi, c'est ça? Lundi, mardi. Alors, je lis. Mardi, Souris Chérie est de sortie. Elle met son chapeau pour aller acheter une robe à petits pois. C'est un chapeau? Et dites-moi, il a quoi de spécial? Qu'est-ce qu'il a son chapeau? Alors, il y a des fleurs. Il y a des fleurs. Si ça bug, je ne sais vraiment pas quoi faire du tout. Ça fonctionne comme hier, mais je ne sais vraiment pas comment je peux faire pour remédier à ça. J'ai la webcam, j'ai rebooté le modem, donc la chose, c'est téléphoner à l'opérateur. Donc voilà, je téléphone pour voir. Et si pas, j'ai le papa d'une copine de notre classe qui m'a conseillé de faire les lives sur YouTube. Voilà, je vous tiendrai au courant pour la suite. Voilà. Alors, Orange dit Cameron. Oui, mais Louis a raison, c'est un chapeau à fleurs. Donc, nous allons donc chercher un chapeau à fleurs. Diego. Ah, ça, c'est le chapeau à fleurs. Marius, bien à fleurs. Voilà. Ça, chapeau à fleurs? Non. Ça, chapeau à fleurs? Non. Chapeau à fleurs? Non. Et ça, c'est un chapeau à fleurs? Oui. C'est un chapeau à fleurs. On va donc lui mettre son chapeau à fleurs. On va lui retirer son chapeau de plume, sans perdre les plumes, bien sûr. Voilà. Et on lui met son chapeau à fleurs. Voilà, il lui a mis son chapeau à fleurs. C'est pas un papillon. C'est un chapeau à fleurs. Un beau chapeau. Hop, super. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il arrive. Ok. Qu'est-ce qui se passe maintenant, maintenant qu'on fait la le calendrier? Dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quelle est la prochaine étape? C'est la météo. Alors, on y va, on prépare ça. C'est bien et on est pour la météo. Ma météo, dit
tenons bien, Yana. Tenons le temps qu'il va faire, le temps qu'il va faire au vous ce mardi. Bien, Elio. Alors, n'oubliez pas, vous mettez la météo pays. Donc, nous, on y va. On va aller voir la météo. Hein. On y va, on y va, on y va. Hop. Ouh. Il faut faire la... Oui, pourquoi il faut faire la reine? On va à la fenêtre. Allez-y. Pour la météo. Bien. En France, il pleut. Ah ben, en Belgique, il pleut. Ah, catastrophe, il pleut aussi. Il pleut, les nuages sont gris, il y a un peu de vent, il fait un peu fond, et chez vous, nuages gris chez nous, en France, chez Louis. Johanna, elle dit bien que c'est Madame Météo qui va dire ce qu'il fait, c'est bien. La pluie en Savoie. Il fait pas beau. Chez Camille en Belgique, il pleut. En Bretagne, il pleut aussi. Nuages. Il faut vraiment chanter la chanson. Hein. Il pleut partout. En Normandie, partout. Un endroit où il y a un soleil. T'as vu le ciel, il est gris partout. En France, je vois tant dans le sud que dans le nord. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, on n'a pas le foin. Il faut faire la chanson, hein. Mm-hmm. Bon, allez, on y va. Bon, allez. Ah, froid à Charleroi. Et il pleut. Ah, ben oui, hein. Ah, allez, on va te déposer et on y va pour la chanson. Alors, comme notre copine qui a un sous aux oreilles n'est pas là, on va faire les gestes correctement, d'accord? La reine Gypsy monte à la gouttière, tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre, mais le soleil a chassé la pluie. Allez, on souffle. Allez, il faut se débarrasser des gros nuages. Hein. Ah, il y a quand même un peu de soleil. Ah, ça va. Je vois qu'il y a un tout petit peu de soleil. Donc, on va quand même souffler. Faut bien souffler, hein. Voilà. J'espère que les gros nuages gris vont disparaître pour laisser place au soleil. Alors, on y va. Donc, on va aller chercher quoi dans notre part d'ici? On doit aller chercher le soleil. Non. Il fait pas beau. Ah ben oui, chez Madame Catherine, il ne fait pas beau. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il fait comme ça chez nous? Non, il n'y a pas de brouillard. Est-ce que vous avez eu des orages? Non. Est-ce que c'est ça? Les nuages sont gris. Mais chez moi, il pleut un peu. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose au cas où. Le soleil, il est léché. Oh. Oh. Voilà la pluie. Voilà notre nuage gris. Ouh. Catastrophe. On fait la chanson, ça devra aller. Alors. Donc, avec ça, comment on va l'habiller sous. Et on a dit qu'il faisait doux, il fait froid. Est-ce qu'il fait comme ça? Chez Nathanaël, il fait gris. D'accord. Bon, il fait un tout petit gris. Voilà. Alors, souris chérie. Bon, elle a pris son petit déjeuner. Elle peint. Des nuages pour Marius. Et quoi maintenant? Comment on va l'habiller? Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Le premier copain qui répond, je choisis le vêtement, d'accord? Alors, dites-moi. Mettre quoi? Donc, il pleut.
On va pas lui mettre une robe à petites bretelles, hein? On va lui mettre quoi? Dites-moi. Il fait doux et Yana, d'accord. Doux chez Louis, bien. Alors, dites-moi qu'elle lui mette. Dit un pantalon, des bottes de pluie, un pull. Donc, un pantalon, un pull. Voilà, et des bottes de pluie. Est-ce qu'elle a besoin d'un parapluie? Oui. Pantalon de pluie, des chaussures, des bottes, d'accord. Est-ce qu'on lui donne un parapluie avec elle? Au cas où. Un parapluie, d'accord. Allez, on va lui mettre un parapluie. Hop. On va habiller souris. Hein. On va courir ici. Là. On lui met donc un pantalon. On lui met ses. On lui met un pull. On lui met son kawé. Et son parapluie. Voilà. Voilà. Super, Lou. Ça va. Si elle doit sortir dans le. Tout à l'heure, elle a tout ce qu'il faut. Alors, perméable aussi, elle a tout ce qu'il faut. Hop, on va mettre la météo. Donc, je disais donc, il y a des nuages gris, il pleut, mais bon, allez, ça va, il fait quand même doux. On va dire que c'est un peu chouette. Hein, un peu. Et elle a ses bottes, promis, elle a mis ses bottes de pluie. Alors, nous sommes en quelle saison? Est-ce qu'on se souvient? Nous avons fait l'arbre du... Qu'est-ce qui est l'hiver? Alors... Alors, qu'est-ce qui est après l'hiver? C'est le... Printemps. C'est printemps qui vient. Donc, nous sommes au printemps. Hop. Et voilà. Hier, printemps pour Nathan. Émilie, bien. On est arrivé ici en Belgique et il pleut. D'accord, Evan. Pour Louis. Oui, printemps pour Joe, printemps pour Yana, printemps pour Camille, printemps chez Madame Manel, printemps. D'accord, c'est le printemps chez tout le monde. Super, bon, c'est chouette. Et hier, normalement, nous avons tiré au sort votre tâche. Qui se souvient? On va chercher dans sa petite tête pour savoir exactement ce que j'ai dit. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que toute la semaine du lundi, vous devez ranger votre chambre. Mais normalement, ça fait tout le temps ça, hein, d'accord? Mais spécialement, cette semaine, vous devez faire très, très, très attention. D'accord? Quand on prend un jouet, on le remet dans le bac à jouets. Si on prend un pull, on le remet dans l'armoire. D'accord? C'est pas seulement dans la chambre, hein? Voilà. Alors, hier, nous avons découvert les secrets des couleurs. Qui peut me dire? Ranger sa chambre chez Monsieur Benoît. C'est ça, c'est ranger la chambre. Super. Donc, hier, nous avons appris les secrets des couleurs. Qui peut me dire les couleurs primaires? Première couleur. Qui? Est-ce qu'on s'en souvient? Ah! On a un. Pourrait-on avoir l'image pour la mettre sur le frigo? Ah! D'accord, ok.
Pas de souci. Alors, quelles sont les couleurs primaires? Dites-moi. Alors, les couleurs primaires, on a du... Ah, on a le jaune et on a le bleu. Oui. Jaune, bleu, rouge. Jaune, bleu, rouge. Super. Et qu'est-ce qu'on en a fait, ça? On les a mélangés, on se souvient? Alors, j'ai une chanson pour ça. Je vais chercher ma chanson. Grâce à la chanson, on va encore vérifier si c'est juste. Voilà la chanson des couleurs. Attrape-le du ciel, laisse-le dans un petit pot. Le chantillon soleil, ajoute-le au bleu du ciel. Mélange le jaune et le bleu, mélange les couleurs primaires. Ça sent devant tes yeux, voici le vert. Tu es? Oui. À la cime de cet arbre, vois-tu le rouge cardinal? Il s'y flotte d'une mélodie, rouge et bleu sont bon ami. Dans le rouge, fais tourner ton bâtonnet, des couleurs. C'est violet, ce n'est pas noir. Prenez les bras. C'est tout ce que l'on peut faire avec les couleurs primaires. C'est tout ce que l'on peut faire des couleurs secondaires. Attention, une autre. Pour dire secondaire. Ses épaules. Je protège une pomme rouge. Moi, je presse un citron jaune. Rouge est le jus de la pomme. Celui du citron est jaune. Le rouge mélange. C'est une belle couleur primaire. C'est bizarre. C'est étrange. Voici l'orange. C'est tout ce que l'on peut faire avec les couleurs primaires. C'est tout ce que l'on peut faire des couleurs secondaires. C'est tout ce que l'on peut faire avec les couleurs primaires. C'est ce que l'on peut faire des couleurs secondaires. Alors, est-ce que cette chanson vous a plu? Elle est chouette, hein? Avec ça, je suis sûre que vous n'allez plus jamais oublier le mélange des couleurs. Alors, comme vous avez vu, j'ai déjà, pour donner un exemple, réalisé une feuille de mon livre des couleurs. Alors, ce matin, je me suis dit, on va mettre le nom des couleurs d'abord pour les copains qui le souhaitent. Alors, réaliser un PDF qui peut être téléchargé avec les crayons de chaque couleur. Ensuite, j'ai découpé mon tube jaune et j'ai ajouté mon devoir d'aujourd'hui parce que vous aviez un devoir, hein? D'accord? Alors, voilà. Donc moi, quand je pense jaune, je vois un canard jaune, mes bananes sont jaunes et les balles de tennis sont. Vous voyez? Voilà. Mais je connais un copain. C'est un copain de Souris Chérie qui est dans sa classe, forcément. Et j'ai eu sa maman au téléphone hier. Et elle m'a expliqué que donc, c'est un éléphant, le copain de Souris Chérie. Et il s'appelle Elmer. Et il a plein de couleurs. Plein de couleurs. Hein, je vous assure. Plein de couleurs. Et sa maman m'a expliqué
pour qu'il puisse retenir les couleurs, il les a associées à quelque chose. Comme si moi, j'ai associé mon jaune à mon quart avec lequel Souris Chérie joue dans son bain, à la banane que je mange tous les 10 heures, et à la balle de tennis avec laquelle mon chat joue tous les soirs. Oh. La semaine, vous allez connaître mon chat parce qu'on va parler des chats la prochaine. Et donc, j'ai écrit l'histoire que la maman d'Elmer m'a expliquée. D'accord ? Alors, hein, vous voyez, elle est là. Hein, donc, c'est marqué les couleurs d'Elmer. Vous avez vu Elmer ? C'est un éléphant et il a plein de couleurs. Vous avez vu toutes les couleurs ? C'est fou, hein, ça. Mais pour qu'on puisse ouvrir le livre, forcément, regardez, il est fermé. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Il y a la formule magique, forcément. Alors, on y va. Alors, pour ça, je dois être assis. Je dois avoir les oreilles bien tendues. Je dois avoir la bouche fermée, sauf pour répondre aux questions. Et bien regarder l'écran. Attention, ces petites mains. On a une main comme ça et une main comme ça. On imagine que le livre, il est là, d'accord ? Attention, on y va. Petit lit. Petit livre, ouvre-toi, ouvre-toi. Raconte-moi l'histoire, s'il te plaît. Mais c'est bien. Oh, les couleurs des mers. Noir, violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge, rose, blanc. C'est toutes les couleurs d'Elmer. Et Elmer m'a demandé hier quelle était ma couleur préférée. Quelle est votre couleur préférée? Alors moi, c'est le bleu. Et Elmer, quand je lui ai demandé, il m'a dit que toutes les couleurs, c'était préféré. Ah oui. Et on dit qu'il est multicolore parce qu'il a plein de couleurs. Alors, oui, Mélina, nous sommes mardi aujourd'hui, mais nous sommes à l'histoire. Donc, tu vas être attentif, d'accord? Non, quelle couleur préférée? Le bleu, comme la maîtresse Lyon. Ah! Qui aime bien le bleu? Louis, il aime bien le rouge. Ah, c'est chouette, ça. C'est vrai, c'est chouette, le rouge. Vert, pour un autre Louis. Violet. Rose pour Lia. Ah oui, les filles, en général, elles aiment bien le rose. Bleu comme elle, pour Iana. Rouge et orange, Lisa. Ça? Il pleut à Bruxelles, chez Isali. On a fait l'argent de la Rien Gypsy, ça devra aller normalement. Rouge, bleu pour Émilie. Toutes les couleurs pour Luciara. Comme elle, tu aimes toutes les couleurs. Donc, tu es multicolore, alors. Voilà la suite, hein. Mais comment il fait encore pour tout retenir ses couleurs? Parce qu'il y a quand même jaune pour Diego. Il y en a beaucoup. Comptez combien il y a de couleurs? Alors, il y a le noir. Il y a le violet. 2. Il y a le bleu. Il y a le vert. 4. Il y a le jaune. 5. 5. L'orange. 6. Il y a le rose. 7. Il y a le blanc. 8. Vous rendez compte? 8 couleurs. C'est compliqué, hein. Mais ça va. Je suis sûre qu'il y a plein de trucs. Rouge pour Sybille. Il pleut, d'accord. Rouge pour Nathanaël. Bon, on va voir la suite, hein, d'accord. Oh, ça, c'est pas bête. Vous savez quoi? Il a blanc. Rouge pour Natis. Et on dit qu'il est blanc. Comme le bonhomme de neige. Ce qui est comique, c'est que quand il fait chaud, Elmer, ils ne font pas. Mais le neige, quand il fait chaud, ils font. Regardez. Blanc. Comme le bonhomme de neige.
Jaune pour chez Madame Fadila. Vert chez Madame Edwina. Ok. Donc, il redevient blanc comme le bonhomme de neige. Comme la neige. D'accord? On va voir. Oh! Et il dit qu'il est orange comme une orange. C'est quoi ça? Orange comme une orange, c'est quoi? Oh, il parle du fruit. Il avait une orange comme les Gilles. D'accord? Et il est jaune comme le citron. Milena, s'il n'a pas 9 couleurs. 9 couleurs? Tu crois que je me suis trompée? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Championne ici. C'était difficile de tenir le doigt et... Enfin, prendre mes doigts et le livre. Oh, ben dis donc. Super. Je disais donc, blanc comme le bonhomme de neige. Orange comme l'orange. Jaune comme le citron. Et ça, n'importe quelle saison. Il est rose. Comme une glace de groseille. Oh, il est rose comme une glace de groseille ou une glace de fraise. Ou jaune comme une étoile. D'accord, ça peut être jaune comme une étoile. Il est vert. Oh, j'ai oublié de montrer. Hop, vous voyez, comme la glace. Vert comme l'herbe. Dans votre jardin, il y a de l'herbe. Vert comme quoi aussi? Comme les feuilles de l'arbre. Ou vert comme votre t-shirt. Il est bleu comme le ciel. Quand il y a nuages, bien sûr. Il peut être bleu comme la mer, comme l'océan. Bleu comme le ciel. Et vert. Il peut être rouge comme les cerises, comme les pommes ou comme un couche-soleil. Oui. Il peut être noir. Comme lorsque la nuit est tombée et que le soleil est parti se coucher. Voyez? Comme la grenouille pour Yana, bien. Et voilà. De l'histoire. Alors. Maintenant. Comme j'expliquais, j'ai fait le jaune. Alors, vous devez faire exactement la même chose que moi, d'accord, avec les autres couleurs. J'en fais une avec vous. Fais le jeu. Je prends ma feuille. Là. Prends ma feuille rouge. Rouge comme la lave, bien, comme la lave du volcan. C'est super. Je découpe mon crayon rouge. Hop. Hop. Voilà. J'ai découpé mon crayon rouge. Je prends ma colle. Je place le mot au-dessus. Voilà. Ensuite, je passe mon tube. Voilà. Ensuite, je regarde les étiquettes, les images, ce que moi
Jésus qui me rappelle le rouge. Alors, je regarde ici, dans l'étiquette. Alors, moi, j'ai choisi une pomme, un parapluie et un t-shirt rouge. Marcus de Pape Patrouille. Le nez doun. Oui, bien. Super. Hop, donc, je coupe mes étiquettes. Voilà. Et je viens coller mon étiquette. Alors, on peut coller aussi de la matière, hein, d'accord? Donc, si vous avez un pompon rouge, si tout simplement une photo de l'enfant qui est à la bouche, pas de souci. Voilà, j'ai la deuxième page de mon livre. Vous avez vu? Ça va être joli, hein? Et on fait la même chose avec le bleu. On fait la même chose avec l'orange. On fait la même chose avec le violet. Et on fait la même chose avec le vert. D'accord? Alors, maintenant, on va découvrir d'autres secrets. Le secret du noir, du blanc. Le rouge, il est encore un petit peu. Mais, est-ce que vous connaissez le secret du vert et de l'orange? Allez, venez avec moi. Alors, comme d'habitude, je dois vous bouger, hein, d'accord? Non. Alors, ça va être exactement la même technique que l'on a utilisée hier. On prend d'abord son tube. On prend un pinceau, on le mouille légèrement et on vient mettre un tube en noir. Attention, est-ce qu'on peut dépasser? Non, on ne peut pas dépasser. Donc, on met le tube en noir. Voilà. Je mets mon tube en noir. Oui, bien sûr, il n'y a pas si. Alors, je lis le message de chez Madame Amandine. Alors, Madame, est-ce qu'à la fin du live, je peux vous dire quelque chose sur mon loulou Evan? Car je suis fière de lui et il est fier aussi, on voudrait le partager avec vous. Il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Je l'ai mis en noir. Je le mets à sécher. Ensuite, je nettoie bien mon pinceau. Il faut bien le nettoyer parce que maintenant, nous allons prendre le blanc. Non, nous n'allons pas prendre le blanc, on va le laisser comme ça. D'accord? C'est plus simple. On va le laisser comme ça. Si vous souhaitez le mettre en blanc, vous pouvez, d'accord? Mais moi, je le laisse comme ça. J'ai le blanc. Voilà, j'ai mon blanc. Alors, maintenant. Je vais chercher votre couleur avec mon bol. Comme hier, je le place, je vais le placer dans la mise. Alors, je vais mettre du blanc, se souvient, bonne splotch, là, et je vais mettre du noir, comme hier. Là. Et à votre avis, quelle couleur va arriver si je mélange du noir et du blanc? Sinon, je vais en dessous. Ah. Je vais donc descendre le blanc dans le pot et je fais descendre le noir. Quelle couleur va arriver?
On regarde. La peur qui va arriver est... Qui peut me dire? Et le gris. Voilà. Donc, lorsque je mélange du blanc et du noir, on obtient du gris. Alors, on peut descendre la couleur en trop. D'accord? Ce sera beaucoup plus facile pour sécher. Voilà. Vous voyez? Du gris. Lorsqu'on mélange et du noir, on obtient du gris. Comme le ciel gris lorsqu'il pleut. Gris comme le ciel. Voilà. Alors, on va faire maintenant un petit V pour dire qu'on a découvert ceci. Alors, maintenant, si on mélange du blanc avec du rouge, on va obtenir une autre couleur. Laquelle? Donc, on doit mélanger du blanc avec rouge. Du blanc avec du rouge. Du rose. Tu penses qu'on va obtenir du rose? On va voir. Hop. Même chose. Prends. Je mets. Hop, je fais tomber mon pinceau. Bise, Mme Rita. Voilà, on va mélanger. Je descends donc le blanc dans le saladier. Je descends le rouge et on va voir. Notre ami a raison. Est-ce qu'on va obtenir du rose? Je pense que oui. Notre ami a raison. Et il s'appelle comment le copain qui a dit rose? C'est bien. Il nous a donné deux bonnes réponses. Émilie, rose, viens. On a du rose. Super. Hop, on mélange bien pour obtenir un beau rose. Voilà, vous avez vu? On mélange rouge et du blanc et on obtient du rose. Alors, bon d'accord, ok, vous avez eu raison, mais je suis sûre que là, vous n'allez pas savoir. Ah, je crois que je vais vous apprendre quelque chose là. Qu'est-ce qu'on obtient? Si on mélange de l'orange et du vert, dites-moi, qu'est-ce qui se passe si on mélange de l'orange et du vert? Ah, ah, ah! Donc, je dois mélanger de l'orange et du vert. Je mélange. De l'orange et du vert. Il n'y a pas encore de réponse. Est-ce que les copains savent? Ah ah! Alors,
Est-ce que vous savez? Non? Ah ben, on va le découvrir. Je pousse pour faire tomber le verre dans mon saladier. Voilà. Je pousse pour faire tomber l'orange dans le saladier. Et ensuite, je vais manger. Quelle couleur va arriver? Magie, magie. Du marron. Oui, Mohamed, c'est du marron. Super. C'est du marron. Lorsque l'on mélange de l'orange et du vert, on obtient du marron. Marron comme quoi? Bien, Yasmine. Du marron. Marron comme la terre. Marron comme le tronc des arbres. Voilà, on mélange bien pour obtenir un beau marron. Et voilà, on descend bien la couleur. Bien, Émilie, du marron. Super, donc on obtient bien du marron. Alors, comme hier, vous allez devoir retirer la chemise, d'accord, pour que ça puisse sécher. Faire très doucement. Voilà. On a pu faire un mélange des couleurs sans se salir les doigts. Ça, c'est pas chouette. Voilà. On laisse sécher. D'accord. Marron comme du Nutella. Oui, bien, super. Et rose comme quoi? Ah ah. Alors, je regarde si on a bien coché. Et je vois que nous avons tout coché. Donc, c'est super. Vous avez vraiment fait tous les mélanges. Marron comme les enfants. Nous, ils sont noirs. Ah, pour les, oui, les Africains, oui, oui, d'accord, ok, j'avais du mal. Oui, d'accord, il y a des copains de la classe qui ont la marron. Nous, des fois, on a la peau marron quand on est trop bronzé, mais fort, fort bronzé, hein, parce qu'il faut bien être bronzé, hein, d'accord. Alors, rose comme celle-là de Pat Patrouille pour Elio. Elio, il aime bien Pat Patrouille, hein. Alors, ça peut être rose comme quoi aussi dans l'île mère, il était rose comme quoi? Comme la glace de fraise ou de oseille. D'accord? Alors, pour demain, j'irai, comme je vous ai montré maintenant les pages du livre, d'accord? Donc, je vais vous remontrer. Mais je vais revenir ici. Ça va être plus simple. Je ne suis pas trop. Voilà. J'aimerais que vous fassiez marron comme les châtaignes. Oui. Bien. Alors j'aimerais que cet après-midi, si vous avez le cœur, hein, de faire vos pages du livre. D'accord? Ceux-là, les autres, vous pouvez les faire mercredi. Le rose comme la barbe à papa, super. Le que les feuilles sèches. Alors, demain, il n'y a pas de live. Demain, on viendra jeudi. Et jeudi, donc, on pourra réaliser le bricolage de Elmer. Nous allons créer un Elmer. Ah, comment on va faire pour créer un Elmer? Ah ah! Je vais, dans l'après-midi, faire la photo pour papa et maman pour qu'ils puissent préparer le matériel. Alors, pour ça, on a besoin de toutes les couleurs que l'on a appris aujourd'hui. Qui peut me dire encore? Donc, on va faire un Elmer comme ça. On a appris
Les couleurs primaires. Le jaune. Le rouge. Le bleu. L'orange. Le vert pour le secondaire. On a du coup encore rose comme la fantasse, oui, pour Yasmine. Le brun. Le gris. J'en ai oublié une. Le noir et le blanc. D'accord ? On a besoin de toutes ces couleurs. Si vous n'avez pas les couleurs, pas de panique. Vous savez comment créer vos couleurs. D'accord ? Est-ce que vous avez le temps d'une dernière histoire ? Donc, l'histoire du loup qui voulait changer de couleur. Est-ce que vous avez le temps ? Juste de la lire, d'accord ? Oui, non ? Dites-moi, vous avez le temps ? Est-ce que vous avez encore une autre histoire ou on la garde pour jeudi ? Dites-moi. Alors, si dans une minute, on n'a pas de réponse, je dis au revoir, d'accord ? Que vous êtes peut-être occupé avec les mélanges. Alors, on a un oui, mais il m'en faut au moins 5. Donc, on en a déjà un. Donc, si j'en retire un, il en restera 4 encore. Allez. Pour jeudi. Ah. Oui. Encore 2. Oui. Et je lis l'histoire. Oui. Pour qu'on lise l'histoire. Bleu, vert, rouge, gris, marron, noir, rose. Histoire, Yasmina. Ok pour le livre. Oui pour Émilie. Oui pour... Ok. N'oubliez pas, moi les livres, je ne sais pas les ouvrir si je n'ai pas ma chance. Hein. On y va, on prépare sa main. On imagine qu'on a le devant. On y va. Petit livre, ouvre-toi. Ouvre-toi. Raconte l'histoire, s'il te plaît. Merci. Le loup qui voulait changer de couleur. Et pourquoi ? Il était un gros loup noir qui n'aimait pas sa couleur. Il trouvait que le noir était trop triste. Le loup essaya le vert. Il plongea sa patte dans le pot de peinture, se barbouille de couleur, sur le ventre, sur le visage, sur les bras, sur les pieds, sur les jambes. Quand il fut tout sec, il se regarde dans le miroir et dit « Quelle horreur ! On dirait une grosse grenouille ! Ça va pas du tout !» Vous trouvez qu'il a l'air d'une grenouille ? Donc, vert, grenouille. Qu'est-ce qu'il va faire ? Le loup enfila le peluche de laine que lui avait tricoté sa grand-mère. Quand il se regarda dans le miroir, il dit « Ça ne va pas du tout ! On dirait le Père Noël !» Il est content. Au revoir, Louis. Il n'est pas content, vous avez vu ? Vert, ça ne va pas. Non, le noir, ça va pas. Le vert, ça va pas. Le rouge, ça va pas. Le mercredi, le lundi se faufile chez le fermier. Et cueille les roses dans le jardin du fermier, vous avez vu ? Il était chez le fermier.
et il a mis toutes les pépettes sur son corps. Quand il se regarda au miroir, il dit « Ça ne va pas du tout, on dirait une princesse. » Mais c'est un loup, il ne peut pas être une princesse. « Ça ne va pas du tout, non, 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 ça ne va pas. Ça ne va pas. » Ensuite, le jeudi, il se plonge tout entier dans un bain d'eau glacée. Quand il sort, il est tout bleu. Ça ne va pas du tout. Je suis tout bleu. Ça pas du tout. J'ai l'air tout malade. Ça ne va pas. Hein? Non, non, non. Ça ne va pas. Le vendredi, le loup, il mange des oranges. Il met ensuite les épluchures sur son corps. Et qu'est-ce qui va se passer? Oh, ça va pas du tout, dit le loup. On dirait une carotte géante. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Bon. Décidément, le loup, hein? Bon. Ensuite, il décide de se rouler dans la boue avec les cochons pour être tout marron. Et là, quand il se regarde dans le miroir et qu'il est tout sec, il dit « Ça ne va pas du tout, ça ne va pas, ça me gratte et ça sent mauvais. Oh là là, bouh !» Lui, il doit aller se laver, hein. Ensuite, le loup, il va tout doucement dans le parc. Il observe le pont qui est au dos. Qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? On va voir. Oh, il a volé les plumes du pont. Il se regarde dans le miroir et dit « Wouh ! Qu'est-ce que je suis beau ! Je suis multicolore !» Comme Elmer. Mais il était tellement beau, il sent tellement bon, il était tellement multicolore, toutes les louvres de la Livine étaient tombées amoureuses de lui. Et alors, à ce moment-là, le loup était tout le temps embêté. Aïe, aïe, aïe. Et il dit, ça ne va pas du tout. Il rentre chez lui et il dit, le vert, ça ne va pas. Le rouge, ça ne va pas. Le rose, ça ne va pas. Le bleu, ça va pas. L'orange, ça va pas. Le marron, ça ne va. Multicolore, ça ne va pas. En fin de compte, je pense que le noir me va comme un gant. Donc le loup reste noir. Voilà, fin de l'histoire. Alors, n'oubliez pas votre devoir pour jeudi, d'accord? Entre-temps, je vais essayer de mon problème d'internet. Je vais ouvrir sondage et vous demander si vous avez des si. Donc oui, j'ai des soucis ou non, j'ai pas de soucis. Et suivant le nombre de personnes qui me répondent, je regarderai si je dois ouvrir une chaîne YouTube et faire un lien entre le groupe et la chaîne YouTube. Donc voilà les loulous, j'espère que la séance vous a plu. Merci de votre participation. Je vous fais un gros, gros, gros et je mets plus vite le matériel nécessaire pour jeudi. Bisous les loulous !